Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et ravi de vous revoir encore une fois pour une nouvelle vidéo sur la chaîne AlasWeb. Dans cette vidéo, on va essayer de voir des astuces ou un astuce ou deux qui sont assez connues mais que malheureusement il y a toujours des messages ou plutôt des erreurs de personnes qui envoient des courriels à plusieurs destinataires. Donc personnellement, je reçois des courriels de personnes qui se disent un agent marketing ou un conseiller marketing qui envoie un courriel de marketing pour un objet X et que malheureusement il ne met pas les courriels ou les adresses dans le bon champ. Donc j'aime pas voir, comme j'aime pas que les autres vont voir mon courriel. Donc la personne qui va recevoir ou les personnes qui vont recevoir le courriel, ils vont voir toutes les adresses courriel auxquelles le destinataire a envoyé ce courriel. Je m'explique. Donc la personne, au lieu de saisir, donc on voyait ici, il y a le champ CC, il y a le champ CCI. Donc ça c'est copie carbone, ça c'est une copie de courtoisie. Donc moi je saisis ici l'adresse A, l'adresse courriel de la personne principale. CC, je le mets en copie. Donc la personne va recevoir le même courriel et il va voir que moi, AtlasWeb a envoyé le courriel à A, X, Y, Z et lui il a reçu une copie. Ça c'est beau, donc c'est correct. Mais l'erreur qu'il y a des personnes qui écrivent ici plusieurs adresses, donc bb, gmail.com, donc un espace, je marque bb. De gmail.com. Donc ces personnes là ils vont recevoir le même courriel et moi, ou plutôt eux, ils vont voir que bb2 a reçu le même courriel que bbgmail.com. ben ça c'est pour un message courriel de marketing, c'est pas professionnel. Donc au lieu de ça, il fallait, donc si on voit en copie conforme, on clique ici, on sélectionne CC, sinon je vais sélectionner CCI. Ça c'est invisible. Donc si j'envoie par exemple bb3gmail.com, donc bb3, lui, ben dans ce cas je vais enlever ça le bb2. Ça c'est correct, ça c'est un bon message. Donc le bb.gmail.com, il va voir le message. BB3, il va recevoir le message, mais personne ne va voir BB3, va pas voir que BB a reçu le message, ni BB ne va pas voir que BB3 a reçu le message. Ça c'est plus professionnel. Donc mettre tous les champs dans le même ou les adresses dans un seul champ et envoyer un courriel, j'aime pas trop savoir. Sincèrement, quand je reçois des courriels comme ça, je réponds même pas. Donc c'est déjà, en partant, c'est pas professionnel. Ça d'une part. Des fois, si vous avez un groupe par exemple d'étudiants, un groupe de clients, un groupe de X, Y, Z, et vous voulez créer un groupe et envoyer le même courriel à un groupe ou un chat. Donc pas besoin de saisir les courriels des personnes. Donc on peut créer un groupe. Comment? On va y aller sur contact. Soit vous allez créer le groupe, donc avec les contacts qu'on a déjà créés, que vous allez trouver autre contact. Sinon, vous allez créer vous-même des contacts. Donc là, je marque, je ne sais pas, avec bébé aujourd'hui. Donc bébé, et je marque son courriel bébé@gmail.com. Bah, j'ajoute ce premier, je vais ajouter un deuxième, j'enregistre. Donc je vais ajouter un deuxième. Donc ici, ajouter un contact. Atlas. Atlas.net.com. Donc je mettrai un deuxième ici. Donc je viens de créer deux contacts. Ça c'est beau, c'est parfait. Donc pour créer le groupe, je crée une étiquette. Créer étiquette dans groupe Atlas. J'enregistre. Donc là j'ai créé le groupe et ici je vais associer le premier courriel, le deuxième à ce groupe. Les trois points. Je vais l'associer. Et le deuxième, je l'associe. Donc là, j'en ai ce groupe-là. Il y en a deux courriels. Donc je retourne à mon adresse courriel, plutôt à mon Gmail. Et là, je vais passer ça, je vais passer ça. Lui, je l'ai nommé groupe Atlas.
Ici, je clique, ou plutôt je tape Group Atlas, groupe. Je vais juste rafraîchir la page, le Gmail. Il faut rafraîchir votre page par la suite. Je vais taper le nom du groupe. Groupe, vous voyez, j'en ai Group Atlas. Donc là, les deux adresses courriel, ils ont été insérées rapidement. Et vous pouvez comme envoyer le courriel aux personnes que vous voulez. Comme ça, c'est un groupe. Donc là, vous allez saisir ce que vous allez saisir. Vous allez envoyer votre courriel. Donc ça, c'est pour créer le groupe parce que Gmail, ils ont changé quelque chose au niveau de la création du groupe. Et j'avais vu qu'il y a plusieurs personnes qui ont été perdues. Donc il y avait un autre nom au lieu de l'étiquette. Ils l'ont changé. Donc c'est pourquoi des gens n'ont pas été capables de retrouver, c'est-à-dire l'ancienne appellation, mais c'est juste la même chose, mais juste ils ont changé l'appellation. Donc voilà, deux astuces. Donc c'est sûr que le CCI, donc la copie carbone invisible, c'est pour moi et pour plusieurs personnes, d'une façon professionnelle ou non, essayez de l'utiliser. Comme ça, si vous envoyez le courriel à plusieurs personnes, bah, pas besoin que la personne va voir que le courriel qu'il a reçu. Il y a plusieurs personnes qui l'ont reçu aussi. Et il y aura le courriel des personnes. Des fois, on n'est pas, on ne sait pas. Il y a une personne qui ne veut pas que son courriel s'affiche pour une autre personne. Donc, essayez de ne pas faire l'erreur. Et utilisez la CC, la copie carbone. Donc, c'est une copie de courtoisie. Donc, si vous envoyez le courriel à un employé et vous voulez que le chef aussi voit comme quoi vous avez envoyé cette copie à cet employé là, ben mettez le chef en copie carbone, comme ça le chef va voir que vous avez réellement envoyé le courrier à la personne concernée. Donc voilà, donc c'est des choses vraiment faciles, mais des fois on n'a pas beaucoup d'importance. Ben, si vous êtes dans un cadre professionnel, donc faites comme il faut votre travail. Donc voilà, il me reste juste à vous souhaiter une excellente journée et à la prochaine.